Voilà, on est parti ici, on est en train de peaufiner un titre qu'on a déjà commencé il y a 15 jours, 3 semaines. C'est un morceau très intéressant de Chris Isaak, Blue Hotel. Au départ, on l'a fait surtout pour travailler, pour expérimenter le whammy et pour montrer à certains guitaristes qui n'ont pas de whammy qu'il est possible de tordre le manche. C'était ça qui était intéressant dans ce titre-là. Mais du coup, on a progressé très fort dans le titre parce qu'on l'a trouvé très intéressant. Il y a plein d'accords qu'on ne connaissait pas, qu'on est en train de développer. Alors, c'est... Je vais le mettre autrement pour que je vois ce que je montre à la caméra. Chris Isaak, Blue Hotel. La tonalité du titre, c'est Si bémol mineur. Le tempo auquel on doit arriver, c'est 145 BPM. Alors, voilà déjà dans le détail l'introduction. On joue un riff en Si bémol mineur, suivi d'un Fa dièse, et puis un Fa à contretemps. On joue trois fois ça. Ensuite, on a le couplet, verse, partie A, à 0 minute 23 secondes. Si mineur. Deux fois, deux mesures. Voilà ce qu'on va jouer là maintenant. Si mineur. Si mineur, quarte, on a expliqué ça la fois dernière, avec un arpège, suivi de mi bémol majeur et mi bémol mineur. Voilà, donc un accord par mesure. Hein. Si mineur, quatre sur un arpège, mi bémol majeur, mi bémol mineur. On va tourner là-dessus, d'abord lentement sur une batterie, et puis un peu plus rapidement, à, bon, 145 BPM, franchement, c'est un peu chaud. Hein, mais si on le joue à 100 BPM pour une première fois, ce sera déjà pas mal. Donc, on montre d'abord les quatre accords. Si mineur, c'est ça, mais qu'on prend avec le plectre vers le haut. Et là, whammy, et on tord le manche. Après... Sur le premier temps de la mesure qui suit, on rejoue l'accord, tout de suite enchaîné avec un arpège de quarte. Donc, c'est quoi l'arpège de quarte? La quarte, elle est ici. Elle est sur la troisième corde avec un pincé en huitième case. C'est bien ça, huitième case. Oui, huitième case. Alors, en principe, on peut le faire avec... trois pincées, mais pour les doigts c'est pas vraiment très confortable, donc l'idée c'est de faire un mini barré quatre cordes. Du coup ça devient très facile pour enchaîner l'autre accord, l'accord suivant, puisque l'accord suivant c'est un mi bémol majeur. Du coup on redescend ces deux doigts là de une corde, donc j'enchaîne les deux. Si quarte, suivi de l'accord de mi bémol majeur, suivi du même accord en mineur. Donc j'ai refait les quatre mesures, ça donne. Voilà, on va essayer d'abord calmement avec une batterie très lente. À 70 BPM, 70 pour les Français, et on montera à 100 BPM après. Voilà, on est parti à 70. 3, 4. Faire une vitesse intermédiaire, on va monter à 90, 90, les Français qui regardent, attention, et 1, 2, 3,
escale. En tout cas pour aujourd'hui, on va terminer à 100. Voilà, 100 ça devient un peu compliqué. Au-delà, il faut travailler pour l'avoir convenablement. Attention, et 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour la partie A, vers A de ce titre. Dans une autre vidéo, on va faire la suite. Voilà.